C'est Karine Morère pour une vidéo absolument pas préparée. Je sais absolument pas du tout de quoi je vais pouvoir parler aujourd'hui avec vous. Donc je vais attendre quelques petits instants pour commencer. Je ne l'ai pas annoncé, donc tiens, il y a quand même Marie. Salut Marie. Bonjour Marie. Marie, Mylène. Michael, Karine, ok, bon. Armel, cool. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel ben, vous aimeriez que je parle? J'ai jamais encore fait ça, demander. Salut, Sophie Garcia. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde aujourd'hui à travers voilà, ce qui m'anime? Bonjour Armel, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, est-ce qu'il y a un sujet qui vous vient là, voilà, sur lequel ça serait sympa d'échanger ensemble? Alors je trouve que j'ai mon téléphone, j'ai changé de téléphone, et du coup je trouve que ce téléphone, j'ai une cagouille qui est quand même pas mal mise en valeur sur ce téléphone. Enfin, la vidéo est quand même sympa. Est-ce que le son est bon? Parce que pour le coup, j'ai changé également l'audio, j'ai changé la vidéo, j'ai changé l'audio. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Bon. Alors, qui c'est qui se lance? La ménopause. Ok, Marie. Ok, ça je l'aborde dans mon bouquin que je suis en train d'écrire. Ok, qu'est-ce que tu voudrais savoir, Marie, par rapport à la ménopause? Qu'est-ce qui t'interroge dans cet espace? Qu'est-ce qui t'interroge? Le son est très bas. Alors attends, pour le coup, je vais changer. Enfin, peut-être que je me mette un peu au point. Ok, je vais changer. Je vais mettre mon bon vieux micro qui va bien. Alors, est-ce que je vais le mettre celui-là? Hop, comme ça. Voilà. Et où est-ce qu'il est le petit trou? Est-ce qu'il y en a un au moins? Je n'ai même pas de trou pour mettre mon micro. Bon, j'ai pas de trou pour mettre mon micro. Alors. Bon, mais je vais faire avec l'autre, c'est pas grave. Vous m'entendez quand même ou pas? C'est ok? Le son est très bien. Je vais remettre, je remets ma petite enceinte. Que tu captes forcément les points de vue sur le sujet. Ok. La ménopause. Moi, je ne suis pas ménopausée, donc je ne suis pas le meilleur terrain, en fait, pour pouvoir œuvrer dans cet espace. C'est-à-dire que si je parle de cet espace, ce n'est pas à partir, en fait, de mon éprouvé à moi. Ce que je peux en dire, ce que je peux vraiment me laisser sentir, c'est qu'à cette ménopause, l'invitation, c'est de pouvoir sortir en fait de ce jeu hormonal. Alors quand je vous dis que je n'ai pas été ménopausée, c'est faux. C'est-à-dire que je pars du principe que quand on a pris la pilule avec de la progestérone, en fait, on met vraiment son cycle en suspension. C'est-à-dire qu'on n'a plus... on n'est plus sous le flot hormonal, on n'est plus du tout sous. Ben, oui, c'est ça, le flot hormonal qui donne des envies, où on sent sa libido totalement exacerbée. Et donc, quand on a fait l'expérience de la pilule, en fait, on a un petit peu le goût, un pré-goût. Tiens, Anne qui est là, elle le sait très bien, on a un pré-goût de cette ménopause. Et pour le coup, moi j'ai déjà senti ce que c'est que de devoir faire sans le flot hormonal, c'est-à-dire d'avoir arrêté mon cycle. Et ça demande vraiment d'aller investir d'autres espaces que justement le désir très animal, très lié aux hormones et au fait de potentiellement avoir un enfant, etc., etc. Donc Marie, tu me dis, je n'ai jamais aimé prendre la pilule. Oui, non. Comme beaucoup d'entre nous. Mais l'invitation avec cette ménopause, c'est de, je pense, c'est de rentrer peut-être dans autre chose que le désir tel qu'on le connaît. De peut-être être moins dans ce désir, accepter de moins sentir ce désir ou cette libido, mais tout ça dépend aussi des terrains, et d'être plus dans un pourquoi pas, de surfer, en fait, je pense qu'il doit y avoir un temps de
adaptation face à cette chute hormonale et tout simplement de pouvoir surfer sur ce corps de plaisir, c'est-à-dire que ce corps de plaisir peut se vivre différemment. Voilà, si on rentre vraiment que dans la sphère sexuelle, enfin plaisir sexuel avec la ménopause, je pense que c'est une invitation, la ménopause, à voir peut-être plus ses rapports sexuels. Anne a fait des super vidéos là-dessus, à voir peut-être sa sexualité d'une façon peut-être plus la monter en fait, monter en conscience. Voilà. Et que ce flot hormonal, eh bien, on peut se rendre compte qu'on n'en a pas forcément besoin pour être dans le désir et le plaisir. De changer juste, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des connexions hormonales que quand on est en pleine ovulation, eh bien, pour le coup, il y a quelque chose. Ouais, Anne nous dit, la ménopause est tantrique par essence. Voilà. Donc c'est vraiment de se délester de tout ce dont on avait l'habitude de faire ou de conscientiser par habitude l'accès au plaisir, l'accès au désir avant, et de pouvoir lui faire monter autre chose, c'est-à-dire donner une sagesse ou une conscience. La sagesse, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui doit être plan-plan, hein. C'est-à-dire avoir une sagesse, c'est-à-dire un état de conscience différemment. Voilà, donc Anne vient me dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Non initiée en effet par le bouillonnement hormonal procréatif. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? J'ai vu quelque chose passer tout à l'heure. Les âmes androgynes, Sophie, oui. Oui. Moi j'aime bien ce sujet aussi. Qu'est-ce que c'est que cet androgyna? Moi, je pars du principe qu'en fait, notre être infini n'est pas sexué, il n'a pas de sexe. Hein. Mon être infini, en fait, il s'en fout du sexe que j'incarne, entre guillemets, totalement. Hein. Par contre, comment dire, mon corps, ma conscience, il y a une conscience dans mes organes sexuels. Et je crois que nous portons en nous un sexe manifesté. Enfin, moi, j'ai une vulve, voilà, j'ai des seins, j'ai une poitrine. J'ai un utérus, un vagin, donc c'est vraiment la manifestation en fait du féminin en moi, mais elle est manifestée. Mais je crois également que nous avons un homme non manifesté en nous. C'est-à-dire nous avons tout le temps ces deux polarités. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand quelque chose est manifesté, il y a forcément l'envers du décor. En fait, ça va ensemble. Hein, l'androgyna, c'est quand justement le manifesté féminin s'allie au non manifesté masculin. Pour le coup, il y a une forme d'androgyna et on peut vraiment œuvrer avec ça à l'intérieur de soi. Les hommes, c'est exactement la même chose. Je remarque que très souvent, c'est marrant, cette semaine, j'ai parlé avec certaines femmes suite à donc ce live de la semaine dernière sur la salope démoniaque et la sainte Nitouche. Et il existe exactement la même chose chez les hommes, pour faire le lien en fait hein, entre les deux, il existe exactement la même chose chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes sont très souvent eux-mêmes comme nous, hein, il n'y a pas de séparation. Hein. Ils sont séparés eux-mêmes souvent de leur côté démoniaque, salo-démoniaque. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont pères, une fois qu'ils sont en couple, qu'ils sont casés, c'est-à-dire qu'ils rentrent bien dans la boîte, en fait, c'est comme s'il fallait mettre de côté tous les instincts primaires, entre guillemets primaires, hein, mais les instincts animaux, c'est-à-dire quand on signe, quand on s'est marié. L'homme signe un papier en disant qu'il s'engage à être un bon père de famille. Voilà. Imaginez ce que c'est qu'un bon père de famille, hein. Qu'est-ce que c'est être un bon père de famille? Donc, inconsciemment, chez tous les hommes, ça peut vraiment réveiller plein de choses. Donc, on signe, on s'engage à être un bon père de famille. Donc, en fait, dès qu'on est marié, eh bien, on ne doit avoir que Dieu pour sa femme. Qui devient mère, et pour le coup, il y a quand même des espaces un peu compliqués qui se réveillent à ce moment-là hein, pour l'homme. Quand la femme, l'amante, hein, devient mère, pour le coup, il y a des confusions, il y a des fusions de boîtes, c'est-à-dire que la mère rencontre l'amante, et selon s'il y a eu cette différenciation chez lui psychiquement, s'il a réussi justement psychiquement à grandir et à devenir un homme, s'il est resté sous fidélité matricielle à la mère, quelquefois, ça peut engendrer eh bien,
Ben, des difficultés à rencontrer sa femme devenue mère. Voilà. Et tout ça pour vous dire que ce point de vue, en fait, que l'homme, enfin, cette expérience que l'homme peut éprouver dans sa matière, ça peut se solder vraiment par une séparation énergétique. Moi, c'est ce que j'ai constaté beaucoup en atelier, dans mes consultations, mais pas que, dans les rencontres masculines que je peux faire. C'est-à-dire que les hommes également peuvent être coupés en deux. C'est-à-dire que leurs instincts primaires, c'est celui qui traite la femme de salope, cet homme-là, pour le coup, il réserve en fait son côté salaud, son côté animal à une femme, une prostituée ou une amante. Puis finalement, il devient le gentil petit papa, bien aimant à la maison, avec un bon petit missionnaire, tranquille ou bilou, pour satisfaire maman. Mais finalement, il y a quelque chose qu'il n'y est plus en fait. C'est comme si ça ne pouvait plus. La mère et l'amante étaient, vous voyez, séparées. Et ça se solde vraiment par des séparations au niveau de la colonne vertébrale. J'ai vu vraiment des hommes casser leur colonne vertébrale comme s'ils ne pouvaient pas œuvrer dans ce côté. Oui, l'animalité, l'amant ne pouvait pas rencontrer finalement la mère. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait, tout ce que je vous raconte par rapport à tout ça. Paf. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Anne? Androgynie. Ne pas oublier que notre sexe est le résultat d'une différenciation embryonnaire. Nous avons donc les deux polarités. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'en fait, il va y avoir le chromosome Y qu'à un moment donné, en fait, le petit bouton, en fait, parce qu'on a la même ébauche, hein, j'ai pas de dessin avec moi là, mais dans le bouquin que je suis en train d'écrire, je l'explique bien. On a vraiment le même bourgeon génital, c'est-à-dire qu'on est vraiment au départ asexué, entre guillemets. Je sais pas si, voilà, on est sexué, on a un sexe, mais il n'est pas polarisé. Il n'est pas manifesté vulve, il n'est pas manifesté pénis. Ce qui fait qu'on a vraiment les deux à l'intérieur de nous. Et j'avais une discussion tout de suite avec une jeune personne que j'ai eue par Messenger, qui est peut-être là en train de me regarder, elle se reconnaîtra dans ce que je vais annoncer. Mais quand on œuvre dans son féminin, c'est-à-dire quand on vient se réapproprier sa vulve, ses espaces psychiques de vulve, de clitoris, de zone G, de vagin, d'utérus, en œuvrant dans cet espace, on œuvre forcément dans le masculin. Il n'y a pas de séparation. Combien de femmes sont encore sous emprise non différenciée de leur propre père? Combien d'entre nous n'ont pas encore vécu leur comment dire, complexe d'Œdipe? Combien d'entre nous sont encore sous emprise incestuelle avec leur père et gardent en fait à l'intérieur d'elles des espaces psychiques du père à l'intérieur d'elles qui n'a rien à faire là? L'invitation, c'est que quand j'œuvre dans mon sexe, je vais poser une conscience où je vais pouvoir voir qu'effectivement, il y a des espaces qui ne sont pas investis par moi. Comme s'il y avait des fidélités encore à la petite fille, comme s'il y avait des espaces de moi qui ne voulaient pas encore désobéir à papa, défusionner, lui faire de la peine, se séparer de lui, parce que lui-même, eh bien, il n'a pas réussi à œuvrer dans cet espace-là. Je connais parfaitement cet espace, hein, de fidélité au père, et que pour le coup, eh bien, on rencontre très souvent, alors sans forcément être passé par l'acte de l'inceste. Hein. Inceste, c'est quand il y a vraiment ce passage à l'acte où le père, pour le coup, vient posséder physiquement le sexe, les seins, la fesse, enfin le corps de la jeune personne. Mais l'incestuel, c'est vraiment une fusion, confusion en fait des espaces psychiques où l'enfant devient vraiment, ou la petite fille ou le petit garçon. Ce que je raconte pour la petite fille, c'est la même chose pour le petit garçon. Hein. Voilà. Et pour le coup, il y a des difficultés en fait à vraiment se différencier. Ça va vouloir dire jouir, c'est désobéir. Ça va vraiment vouloir dire ça. Ça va être désobéir à tout notre carcan éducationnel. Mais ça va être aussi désobéir à papa. Ça veut dire je deviens une femme. Je jouis de mon sexe. Je rencontre la puissance de mon sexe.
Et à ce moment-là, il y a vraiment cette différenciation. Comment dire, c'est une initiation hein, que de rendre le pouvoir au Père. Et quand on n'a pas été porté, hein, le regard du Père sert vraiment à ça. Il sert déjà à l'âge de 3 ans, il porte la petite fille hein, vraiment dans le monde extérieur. C'est l'âge où chez nous on rentre à l'école. C'est l'âge de plein de choses. Ça, voilà. Et à 15 ans, c'est pareil, c'est une nouvelle adolescence. Si le Père emprisonne sa petite fille dans des transferts non résolus, il y a des fidélités qui se mettent en place. Et moi, j'ai défusionné de mon père, j'avais 35 ans. Autant vous dire que voilà, ma crise d'adolescence, je l'ai faite à 35 ans. Mais je ne suis pas la seule, hein. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, le fait d'accepter, en fait, de tuer, entre guillemets, la fidélité au père et de rencontrer la femme. Ça ne veut pas dire que la petite fille n'existe plus, mais ça veut dire en fait, c'est comme si à ce moment-là, quand on est en fusion avec l'énergie paternelle, en fait, la petite fille ne nous appartient pas. Hein. Elle est loin. Elle est dans le complexe avec le père. Et on la rappelle au cœur de source. Tu n'appartiens pas à papa. Tu n'es pas obligé de lui obéir pour exister ni te faire aimer. Voilà. Tu as le choix aussi ici et maintenant de revenir au cœur de source. Voilà. Et tous les espaces, tous les âges où nous avons cru devoir être fidèles et obéir corps et âme à notre Père, tous les contrats, tous les serments de sang que nous avons faits dans notre ADN, ok, et dans plusieurs dimensions, dans plusieurs générations, de devoir obéir à la loi du Père. Est-ce que nous sommes toutes prêtes et prêts, ici et maintenant, à remettre tout ça au cœur de source, s'il vous plaît? Voilà. Et à laisser tout simplement tous ces espaces psychiques coincés, en fait, dans l'énergie du Père, à les ramener au cœur de source. On va faire la même chose pour la mère. C'est-à-dire que le petit garçon, très souvent, en fait, ben, il va être dépendant. Si la maman n'a pas été. Si la maman a existé qu'au travers de son rôle de mère, ça va être compliqué pour elle de voir son fils autrement que comme un fils, mais elle ne pourra pas le voir que, enfin, comme un homme. Hein, s'il y a vraiment faire mourir ça, c'est-à-dire, enfin, moi je sais ce que c'est pas facile hein, de faire mourir, entre guillemets, symboliquement, l'attachement au fils et le laisser s'envoler. Voilà, je suis en plein dedans dans une deuxième. Je revisite cet espace moi personnellement en ce moment, avec mon propre fils, mon aîné. Et pour le coup, de pouvoir l'accompagner dans un espace en disant, ok, tu n'as pas besoin de moi pour vivre. Je suis juste là, j'étais là pour te mettre au monde. Voilà, et maintenant, c'est comme si, en fait, je pouvais le pousser dehors en toute confiance. Il peut, en fait, à un moment donné, vous savez, c'est son bassin, sa sécurité intérieure. En fait, c'est comme si, en fait, moi-même, mon utérus, mon ventre le poussait hors de moi. C'est un accouchement, hein. Je le sors hors de moi pour qu'il puisse rencontrer et à lui-même, ça, il puisse naître à sa propre sécurité intérieure. Voilà. Et très souvent, il y a des mères qui vont garder des cordons ombilicaux psychiques de leur utérus, hein, de vivre qu'à travers ça. Donc, c'est pas facile hein, de mourir à ces espaces-là. Ça veut dire investir la femme, réinvestir justement cette androgyna. C'est-à-dire que moi, plus j'œuvre sur mon féminin et mon masculin, plus j'œuvre sur mon féminin, plus je me rends compte que finalement, je rends le pouvoir à mes fils et je rends le pouvoir à mes filles. Voilà. C'est-à-dire que je ne dépends plus. Voilà, c'est d'accepter de ne plus dépendre de ce rôle de mère. Hein, c'est un rôle. C'est un rôle pour exister. C'est-à-dire que j'existe en tant que moi, en tant qu'être infini. Et je me sens manifestée, je me sens investie. Et je me sens portée par cette énergie-là. Très souvent, en fait, je pense que le fait d'être mère, je peux vraiment parler, je sais vraiment ce que c'est que d'être en prise de l'addiction à la mère, c'est une façon, à un moment donné, de renoncer à soi. Voilà, c'est-à-dire qu'on se perd, on se fusionne, on se confusionne. Voilà, en vous racontant tout ça, ça fait encore remonter des choses chez moi, parce que je suis encore dans cet espace vraiment de défusionner, déconfusionner, et c'est ok, j'accueille totalement. Parce que c'est viscéral, hein, ça prend du temps, tout ça. Donc c'est de pouvoir vraiment accueillir au cœur de source, sans se mettre la pression, c'est juste être dans une conscience, vigilance amoureuse de ce qui est en jeu, ce qui se dit de nous,
et de des espaces psychiques que nous acceptons de récupérer pour rendre la liberté aux êtres infinis de nos enfants. Voilà, pour moi, l'androgyna, vraiment, ça vient dans ces espaces-là. Ce que je voulais raconter par rapport aux hommes, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à accoucher psychiquement des utérus de leur mère. C'est-à-dire que leur sécurité intérieure dépend toujours, eh bien, des bassins des mamans, comme si en fait ils étaient toujours dedans. Hein? Et combien d'hommes encore ont besoin de la sécurité de la femme pour se sentir pleinement en sécurité? Combien d'hommes, s'ils perdent leur femme, perdent tout? Ok. Et partout, nous avons cru que finalement, on devait dépendre ad vitam aeternam du ventre de la mère, de son bassin, de son enveloppement pour vivre et qu'on n'est pas comme si on n'était pas capable de rencontrer ça à l'intérieur de nous. Je parle pour moi également, hein, à mon homme intérieur. Est-ce que nous sommes toutes prêtes et tous prêts ici et maintenant, ramener tout ça au cœur de source et à se dire, ok, je ne dépends plus de l'utérus et de la et du vagin et ou du je sais pas trop quoi de chez ma mère, de son regard qui me porte, de son regard qui m'aime pour exister pleinement. Ok. Et ce qui me vient, c'est qu'en ce moment, je pense que ce qui serait intéressant pour les hommes aussi, c'est de pouvoir œuvrer. Je dis ça parce que j'ai eu des échanges avec certains hommes par rapport justement à cet androgyna, où le fait d'entendre certaines de mes vidéos, ça les mettait en résonance dans leur utérus. Alors vous imaginez qu'un homme me dit, oui, j'ai pu ressentir mon utérus grâce à toi. Waouh! Et en fait, ouais, je me rends compte qu'on porte tous en nous. Je pense que nos hommes portent également un utérus en eux, mais qu'il est très souvent non investi. C'est-à-dire qu'ils ont investi encore psychiquement l'utérus de leur propre mère, et c'est comme si ils n'avaient pas appris à sortir de l'utérus pour incorporer dans leur espace psychique leur propre utérus. Alors oui, ce n'est pas un utérus manifesté, il est non manifesté, mais ça veut dire que dans combien d'espaces est-ce que nous vivons en tant qu'homme, en tant que femme, et de quoi est-ce que nous avons besoin pour finalement, moi, investir mon pénis non manifesté, c'est-à-dire prendre le pouvoir ici dans mon propre pénis, et de sortir, donc, moi j'ai accepté de mourir donc à la puissance de mon père, hein, pour rencontrer ma polarité masculine, mais ça m'a demandé de vraiment manifester psychiquement. C'est ça, de manifester, de pouvoir danser mon masculin, de pouvoir peut-être même sculpter un phallus, de pouvoir en écrire quelque chose, vraiment le manifester. Et c'est ça, être dans ce féminin, dans cet androgyna, c'est-à-dire c'est plus une question de sexe. Alors oui, effectivement, nous avons un sexe manifesté, très bien, ok. Mais je pense également que nous avons l'autre sexe dans le non manifesté. Parce que nous venons d'un père et d'une mère, et que nous portons en nous les mémoires des deux. Alors, peut-être que d'aller voir justement les baisses de libido à la ménopause, ou peut-être d'aller voir justement, Anne, toi tu le dirais très bien autant que moi, d'aller voir dans ces bassins massacrés les mémoires de nos grands-pères, de nos pères, autant que dans des viols pour nos femmes, nos mères. C'est-à-dire qu'il existe également chez nos hommes, chez nos pères, nos grands-mères, enfin nos pères et nos grands-pères, on porte tous en nous. En France, les mémoires de trois guerres. Hein? 14-18, avec la guerre des tranchées, parce qu'on peut s'imaginer quand même que nos grands-pères ont vécu ça. Qu'est-ce que ça peut donner dans nos mémoires? Dans nos mémoires, dans nos cellules. Ok? Est-ce que vraiment tous les hommes ont dit oui pour partir à la guerre? Est-ce que nous ne portons pas en nous des mémoires d'abus quant aux guerres? Moi, je sais que j'ai des grands-parents, hein, qui sont partis à la guerre 39-45, qui ont été donc des prisonniers. Quelles empreintes ça a laissé dans notre ADN, hein, puisqu'on parle d'épigénétique et de justement que tous les traumatismes sont justement transmis dans cette fameuse ADN, dans les gènes, hein, autour des gènes, comme dans de l'ADN dormant. Voilà. Moi, j'interroge, hein, j'ai pas de réponse. J'interroge juste. Tout simplement, moi, en partant de ma propre expérience, je pense que j'ai revécu des traumatismes qui ne m'appartenaient pas, mais que j'ai laissé éprouver, manifester à travers ma conscience, à travers mon ADN, parce que j'ai choisi dans cette vie-là, justement, d'être un creuset alchimique de gratitude et de transformation.
Regardez également la posture que vous avez par rapport en tant qu'homme et en tant que femme. Quelle posture est-ce que nous avons finalement dans notre famille? Est-ce que nous sommes la seule, le seul être infini incarné finalement qui avons choisi d'être ce creuset alchimique? Vous imaginez qu'en une seule vie, on s'est, pour certains d'entre nous et certaines, on s'est donné quand même en une seule vie d'épurer des générations. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça soit, un peu, quelquefois un peu compliqué et qu'il y ait du monde à la maison, entre guillemets. Hein. Ok, c'est-à-dire qu'on a les outils, hein, on vibre sur plusieurs fréquences et qu'on a les outils de transmutation. Mais on a le choix, je crois. On a le choix de le faire soit à l'image de nos grands-parents et de nos parents, c'est-à-dire dans la souffrance, d'être dans cette addiction à la souffrance, ou on peut le faire également en ayant un regard de vigilance et de douceur, et de regarder la transmutation s'opérer, voilà, au cœur de source, et de laisser passer les mémoires avec douceur. Voilà. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Coucou, est-ce que ça vous parle, cet espace de... Anne qui dit le syndrome IKEA. Oui. Ok. Le papa qui suit la maman courbée sur le chariot en faisant ses calculs intérieurs. Ouais. Le chariot, c'est aussi faire plaisir à maman. Hein. C'est ça, c'est quand le syndrome IKEA, pour revenir dans cet espace-là, pour moi, c'est le chariot représente vraiment l'utérus, comme s'il y avait encore des fidélités à vouloir faire plaisir à maman. Et combien d'hommes, justement, à travers la mère qui est là, qui est en train de grandir devant eux, sont en train de faire remonter des fidélités à leur propre mère. Il y a tellement de choses qui sont en jeu, finalement, quand nous passons de 2 à 3. Il y a tellement de choses. On n'est pas 3, en fait, hein. Il y a beaucoup de monde derrière, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent. Alors... Mais oui, Marie, ce rappel sur nos polarités féminines, masculines, mais regardez le corps, regardez par exemple nos méridiens. Nos méridiens vont par deux. Il n'y a jamais eu de séparation de la droite et de la gauche. Quand vous voyez votre méridien du cœur, hein, qui part là, mais il y a le même à droite et à gauche, en quoi il y aurait une séparation? Non. D'ailleurs, quand on œuvre, remarquez, quand on fait, moi qui fais du massage Twina, donc, qui est le massage donc chinois avec les points d'acupression. Quand on œuvre sur un méridien, automatiquement ça débloque l'autre. Il y a des effets miroirs, c'est automatique. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous les femmes d'aller récupérer nos espaces psychiques matériels. Moi, quand j'œuvre dans la femme intégrale, c'est-à-dire d'aller vraiment récupérer en fait notre vagin, d'aller enlever en fait toutes les, comment dire, toutes les fidélités transgénérationnelles qui sont là-dedans et de vraiment pouvoir le sentir, sentir la transformation au bout des doigts. Hein? On le sent, la matière change de forme et ça s'actualise, c'est dans les doigts que ça se passe. Voilà, moi c'est pour ça que j'aime la femme intégrale, c'est parce qu'on... C'est comme si, en fait, le petit ego, le petit personnage, il sent sous les toits directement la manifestation de la transformation. Et c'est OK. Mais quand on va dans cette matière-là, du vagin, combien de pénis avons-nous cachés dans nos vagins? Voilà. Je sais pas, posez-vous la question, vous les femmes, là, tout de suite. Les femmes manifestées, celles qui ont des vagins. OK. Combien de pénis, là, si vous posez la conscience dans votre vagin et que vous fermez juste les yeux, là, tout de suite, combien il y a encore de pénis qui ne sont pas à nous, qui appartiennent au passé, qui sont encore logés là et qui cherchent justement une voie de sortie? Ok, et si nous incarnions notre propre pénis intérieur, nos propres testicules intérieurs, à quoi ressemblerait notre polarité? Yin-yang, notre féminin et surtout notre intégralité. Voilà, c'est là où je tends en ce moment, c'est vraiment vers l'être intégral. Et c'est marrant, j'ai commencé par la femme. C'est comme si c'est vrai que la femme, il y a quelque chose qui, comme un creuset alchimique, en fait, il y a quelque chose chez la femme qui est comme un contenant, hein, l'utérus. Il y a quelque chose qui contient. Ok, mais en fait, il y a quelque chose qui pénètre automatiquement. Ok, pour être un contenant, il faut être pénétré. Et
Ok, quand on est contenant, on accepte à un moment donné d'être pénétré, d'être investi. Et c'est grâce à cette énergie finalement qui investit, qui pénètre, où on peut conscientiser ici l'intérieur. Voilà. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc en fait, comment ça se manifeste? En fait, moi, je trouve que les homosexuels, ils ont une puissance incroyable. Ça me fait penser à ça. Les homosexuels, ils ont une puissance incroyable parce qu'il faut quand même en avoir sacrément dans le pantalon, honnêtement. Pour aller à l'encontre, parce qu'il faut quand même savoir que dans certains, pour certaines psychés, le fait d'être homo, il n'y a pas très longtemps encore, le fait d'être un homosexuel, c'était considéré comme une maladie. Il y a des homosexuels, il n'y a pas très longtemps de ça, on leur faisait vivre des électrochocs, comme si c'était un truc dans le cerveau, une maladie qu'il fallait guérir. Au secours, d'accord? Donc imaginons que les homosexuels qui s'incarnent maintenant, avec la conscience qui émerge, à quel point, je dis ça parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un ami à moi qui avait fait son coming out, et honnêtement, il y a une puissance derrière qui les incarne. Alors, la peur de l'homosexuel, ça me fait doucement rigoler pour tous les hétéros qui ont peur des homosexuels, mais honnêtement, ils en ont vraiment dans le pantalon, quoi. Parce que pour aller à l'encontre, justement, cette puissance qu'il leur faut, pour aller à l'encontre du moule, aller à l'encontre du moule transgénérationnel, à l'encontre des projections du père, de la mère, à l'encontre de tous les points de vue. Mais vous vous rendez compte, il faut vraiment dire oui à son être, l'intégralité. Pour moi, c'est un acte de ce sont des miracles. Ce sont des miracles d'aller à l'encontre du moule psychique dans lequel souvent on vient au monde. Environnemental, éducationnel. Et voilà, moi je suis toujours très en admiration devant ça parce que, waouh, il n'y a pas très longtemps que ça, il y a même dans certaines traditions encore l'homosexualité est considérée comme une maladie. Donc, bon, regardons ce que l'homosexualité fait remonter comme espace chez nous. Moi je pense qu'on est tous entre guillemets bi, hein. Voilà, mais ça, c'est mon point de vue à moi. J'ai aucun problème, moi, à rencontrer un homme ou à rencontrer une femme. Je dis pas qu'il faille être bi pour se sentir androgyne, hein, c'est pas ça. Mais je pense que quelquefois, le fait de vraiment vivre les expériences et de les sentir dans son corps, en fait, je crois qu'à un moment donné, peu importe, on rencontre plus un sexe manifesté, on rencontre un être infini, on rencontre une âme. Et effectivement, il y a des âmes avec lesquelles on va connecter, avec lesquelles il n'y aura pas forcément besoin de passer à l'acte sexuel. Hein, ça restera une relation asexuée. Et c'est ok, voilà. Mais il y a des rencontres qui ont besoin de passer par le sexe, comme si en fait la conscience que l'autre nous invite à rencontrer dans notre propre sexe peut nous faire grandir. Et c'est ok, il n'y a pas de point de vue à avoir là-dessus. Combien de femmes et combien d'hommes refusent de rencontrer justement le même sexe, hein, c'est-à-dire une femme rencontrer une femme, parce que ça ne se fait pas, alors qu'une femme... quand elle ose rencontrer une autre femme dans l'espace sexuel, comment dire, elle peut vraiment rencontrer d'autres espaces de guérison portés par le manifesté qu'elle incarne elle-même. Il y a vraiment des effets miroirs qui sont OK. Alors, je ne dis pas que ce soit obligatoirement, voilà, que ce soit obligé, mais je constate que toutes les femmes bi que j'ai pu rencontrer ont vraiment eu accès à des puissances de guérison qui ont un autre sens. C'est-à-dire que comment dire, on ne porte plus intérêt en fait au sexe manifesté. Hein. C'est plus le fait que ce soit un phallus, il n'y a plus d'attachement ni au phallus ni à la vulve, mais on est vraiment dans une considération sur un autre plan. Voilà. Ça parle toujours d'androgynat, tout ça. Hein. Et pour les hommes, c'est pareil. Je pense que dans beaucoup d'hommes, et c'est beaucoup plus difficile pour les homos, enfin pas pour les homos, mais pour les hétéros, je rencontre très rarement des bi, hein, hommes. J'en rencontre, mais c'est très rare. Comme s'il fallait vraiment être classé hétéro, homo, bi, asexuel. Je pense que tout est OK pour ma part. Je pense que tout est OK. L'invitation, c'est de se laisser porter par le flow.
par une énergie de guérison, parce que dans chaque personne que l'on va rencontrer, il y a quelque chose de nous qui a besoin d'être rencontré, que ce soit dans l'énergie bi, que ce soit dans l'énergie hétéro, que ce soit dans l'énergie homo, que ce soit dans l'énergie asexuelle ou romantique, je sais pas. On s'en fout, on s'en fout. Il y a tellement de points de vue quelquefois qui nous limitent. Et vive l'androgynat, vive le fait de pouvoir se laisser emporter par une énergie du vivant qui se dit, qui se livre dans l'instant, sans point de vue, sans jugement, sans attachement et considération, et sans enfermement. En fait, c'est ça. L'homme menacé par une arme. Alors attends, je regarde, parce que là, pour le coup, je n'y suis pas. C'est un peu plus bas. J'arrive, hein. Juste pour en revenir avant que je regarde l'homme menacé par une arme, il y a Anne Douché-Morin qui accompagne vraiment aussi dans cet espace pour justement réparer tous ces dégâts transgénérationnels, des guerres. Moi, j'ai suivi une séance avec elle personnellement où j'ai pu rencontrer des espaces de moi qui étaient logés dans l'emprisonnement de mon grand-père maternel, hein, qui était déporté. J'ai pu rencontrer tout plein de choses dans les mémoires. C'est intéressant d'aller œuvrer dans ces espaces pour justement ne plus être dans l'attachement inconscient ni dans les fidélités. Ce qui est-à-dire que ce qui est vu peut passer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui est vu, il n'y a pas de surprise et on n'est plus dans, on ne subit plus l'abus, en fait. L'abus vient de choses qu'on ne voit pas. Ça vient d'espace qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas conscientisé. Souvent, on vit des abus en étant inconscient. Ok. Et l'invitation, c'est de pouvoir regarder de là d'où on vient pour observer là où on en est dans notre vie actuelle. Voilà. Et d'accepter de se laisser accompagner sur des thérapies qui œuvrent dans le transgénérationnel, ça peut vraiment contribuer à voir ce qui n'était pas vu et à sortir vraiment d'emprise d'abus. Hein, on vit dans un monde d'abus. On est en prise de ça conscient tout le temps, tout le temps. Donc, plus je récupère finalement conscience, plus j'accepte de lever les voiles, hein, et de récupérer finalement le pouvoir de mes grands-parents, là où ils n'étaient pas, là où ils ont été abusés dans les guerres, là où ils ont été violés, là où ils ont été massacrés, plus finalement, moi, je vais comme en fait. Ce qui me vient, vous voyez, c'est comme si en fait tout ça, ça repart au cœur de source, c'est vu, c'est accueilli, transmutation au cœur de source, et finalement je ne suis plus obligée, moi, de faire passer par ma propre expérience un espace inconscient. Ok. Et pour le coup, ça donne de la puissance, et c'est ça, venir être le choix. C'est-à-dire être le choix, c'est d'accepter vraiment de se laisser traverser sans être dupe. Que si ce n'est pas de nous dont il s'agit. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Lorsqu'on est conscient, c'est une perception magique dans l'acceptation de son psychique. Ok. J'aime bien le mot magique. C'est-à-dire que nous sommes tous et toutes vraiment les propres créateurs de nos propres miracles. Je voudrais partager avec vous une expérience. Enfin, je remercie ce commentaire parce que ça vient vraiment me mettre en lumière un accompagnement que j'ai partagé hier avec un homme qui venait pour un sevrage tabagique. Et cet homme est arrivé rugbyman, vraiment très bel homme, dans une posture très young, voilà. Fumant depuis très longtemps, depuis l'âge de ses 21 ans. Et en fait, au fur et à mesure de notre conversation, je me rends compte, enfin nous nous rendons compte, c'est-à-dire il soulève qu'en fait il fume depuis l'âge de ses 21 ans, parce qu'à 21 ans, en fait, il a vécu une rupture existentielle où ses parents se sont séparés. Enfin, je vous raconte pas l'histoire, peu importe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au moment où cet homme a accepté de ramener au cœur de source, c'est un homme qui n'a jamais franchi la porte d'une psychothérapie, ni d'un développement personnel, ni de rien. Et cet homme, en l'espace de 3 heures,
Il a vécu un miracle incarné, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé à fondre. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté hier à la fonte d'une cuirasse. Et ça m'émeut toujours autant parce que le fait de pouvoir assister à la fonte d'une cuirasse, c'est-à-dire que je sentais vraiment tout ce qu'il avait mis en place depuis 25 ans, toute son existence où il avait refusé de recontacter cet espace de douleur. Et de là, à ce moment-là, à travers ce sevrage tabagique, de s'autoriser juste à dire oui. Et mes yeux, je le regardais, on se regardait, on se fixait dans les yeux. Et de cendre, de fondre, de sentir la fonte psychique de toute cette cuirasse, mais c'est juste énorme. C'est pour ça que moi, quand je vois les hommes, certaines postures avec lesquelles ils tiennent, ils tiennent, mais honnêtement, quelquefois, moi, quand je rencontre ces genres d'hommes qui fondent dans leur vulnérabilité, dans leur... mais c'est... On est dans le miracle, on est dans le miracle à ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'armes à ce moment-là, je veux dire, il y avait juste que des larmes. Il s'est effondré et c'est un homme qui s'était jamais autorisé à fondre et à pleurer et à manifester sa vulnérabilité. Mais quel cadeau! Quel cadeau! Et moi en face, eh ben, j'étais là, j'accueillais, je me demandais, waouh, mais... Je me dis, mais est-ce que je vais être assez grande? Est-ce que je vais pouvoir accueillir autant de vulnérabilité? Et je me laissais traverser par tout ça. C'était un miracle. J'étais face à un miracle. Et de pouvoir recevoir ça, c'est... voilà, je suis encore émue. Voilà, je vous parle vraiment avec l'émotion telle qu'elle est encore là parce que il m'a offert un espace. Quand ce masculin en fait accepte de rencontrer son féminin et qu'en fait on a fait un à ce moment-là, vraiment on a vraiment fait un. Alors on ne s'est pas touché, c'est même pas une question de se toucher, mais on était dans l'intime. Cet homme, on est rentré dans une relation d'intimité, de vulnérabilité. Il n'était pas question de sexe, hein. C'est pas une question de sexe, mais je percevais vraiment le miracle qui était en train de s'opérer en lui. Alors, du coup, la séance, elle a pris une goût, mais qui n'avait pas du tout, j'ai pas du tout œuvré de la même façon. Je n'ai même pas fait une séance comme elle est prévue. Mais au moment où tout s'est fissuré en lui, il était guéri. Au moment où il a récupéré cet espace de lui qui était coincé depuis 25 ans, mais il n'avait même plus besoin de fumer. Il était guéri. C'est pour ça, c'est vraiment une question de choix. Alors oui, il m'a choisi. Il m'a choisi pour que nous vivions ensemble ce miracle de conscience. Et j'ai accepté de me laisser traverser, hein. J'ai accepté de me laisser traverser par ça, quoi. Est-ce que nous sommes tous et toutes prêts, ici et maintenant, à nous laisser traverser par la vulnérabilité de l'autre, par la beauté de la vulnérabilité, et être dans son androgyna, ça veut dire ça aussi. Ok. Et de juste ramener tout ça au cœur de source, de laisser vraiment le miracle opérer, quoi. Notre être infini n'a pas de sexe et il n'attend que nous. Voilà, il n'attend que nous. Et je voudrais rebondir sur ce mot intimité, parce que je le vois encore s'écrire sur mon écran. Être dans l'intime, c'est oser révéler des espaces de nous que l'on n'avait jamais osé dire en mots, qu'on n'avait jamais pu partir. Enfin, vous voyez, l'intimité, un verbe vrai, c'est un verbe qui part d'un éprouvé, hein, qui part de la matière qui est alchimisée, qui... Voilà, et ça se dit, ça se livre, ok. Et c'est pas une question de sexe là-dedans. C'est pas le fait de livrer, le fait d'être bi, homo. Oui, alors peut-être que le fait de dire
de raconter son espace sexuel, ça vient effectivement rencontrer des espaces intimes qui sont bloqués. Mais ne confondons pas le mot intimité et le mot blocage. Ok? Et partout, nous avons cru devoir justement confondre et fondre ces mots-là, hein? D'y mettre de l'intime alors qu'il s'agissait juste d'un blocage qui avait besoin d'être mis au cœur de source. Ok? Est-ce que nous sommes tous et toutes prêts ici et maintenant à nous laisser agir justement par le verbe, à pouvoir partir d'un verbe incarné, d'être dans la justesse avec soi. Ok. Bon, je suis pleine d'émotions, mais c'est normal parce que de récupérer tous ces espaces, vous savez, ce féminin, cet androgyna, c'est très éprouvant. Ça vient vraiment à réparer, conscientiser, apaiser, rassembler. Hein. Il y a quelque chose en soi qui se rassemble, qui s'apaise. Et c'est de pouvoir justement accueillir ce rassemblement, là, ici et maintenant, sans point de vue, sans jugement, sans essayer de mettre quoi que ce soit comme point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite... Alors, tac, tac. Premier homme menacé par une arme est violé et il a transmis malgré lui le trauma en épigénétique. Et ouais, merci Anne. J'avais pas vu ton commentaire en entier, exactement ça. Pensons à tous nos grands-pères qui ont vécu hein, vraiment ça. Pensons à toutes nos grands-mères également qui sont restées donc à faire tourner en fait, hein, faire tourner la maison, qui ont fait tourner les entreprises. Quand tous les hommes sont partis à la guerre, qui c'est qui est resté faire tourner? Qui c'est qui a été obligé d'incarner, contrainte et forcée, à manifester son masculin? Ce sont nos grands-mères, hein. Faut pas étonner qu'il y ait encore en nous tellement d'énergie castratrice, c'est ok, mais on n'a pas eu le choix, c'est quelque chose qui nous a été légué de nos grands-mères. Elles n'ont pas eu d'autre choix de prendre en main, hein, la maison, tout, de travailler, d'élever les enfants, de tenir la maison. Elles étaient partout, nos grands-mères, vu que les hommes étaient à la guerre. On vient de là. C'est juste y poser une conscience, c'est ok. D'avoir, moi j'ai eu cet instinct castrateur également, que l'homme est impuissant parce qu'il est parti à la guerre et qu'il abandonne le foyer, c'est ok. On ne peut pas compter sur un homme, ça ne m'appartenait pas, ça appartenait à la mémoire de mes anciennes, de mes aïeules. Mais je les remercie parce que grâce à elles, j'ai pu m'en détacher. Ok. Et c'est ok de pouvoir regarder ça, hein. Vraiment, trouver sa place dans l'humanité, c'est regarder aussi d'où nous venons dans notre lignée. C'est surtout ça, trouver sa place dans notre lignée, pour donner un sens justement dans notre place dans l'humanité, hein, et de créer justement ce lien ciel-terre et de laisser justement le non-manifesté se manifester en nous. Quand j'ai vraiment trouvé ma place dans mon bassin, hein, dans ce périnée, hein, qui flotte, qui respire, s'il ne flotte pas, je ne peux pas respirer avec la terre. Comment pouvoir manifester à l'intérieur s'il n'y a pas de respiration possible avec la terre? Si j'ai pas ici mis de la mobilité et que je suis toujours sous empreinte transgénérationnelle, Anne Morin le dirait aussi bien que moi, la peur fige les fascias. Hein? La peur fige les fascias. Donc si ça ne respire pas, si ça n'est pas vivant, ça ne peut pas respirer la terre. Hein? Et si c'est pas vivant en bas, ça n'est pas vivant en haut. Ok. Et partout, nous avons fait une séparation entre le haut et le bas. Est-ce que nous sommes toutes et tous prêts ici et maintenant à remettre toute cette croyance de séparation au cœur de source? Voilà. Et à laisser tout simplement ce périnée, cette porte des ancêtres, reprendre sa mobilité, sa conscience initiale. Voilà, dans son intégralité. Ok. Alors, Anne, tu dis... Ce n'est pas un point de vue, ce sont des mémoires qui se sont manifestées dans les histoires familiales. Cela a été une révélation pour moi. Et j'ai une grande gratitude pour Ariane Cécia Boulanger qui m'a. Alors attends que j'affiche plus. Qui m'a formée à accompagner le transgénérationnel. Merci Anne. Vous pouvez prendre contact avec Anne, elle œuvre très bien. Moi j'en suis la preuve vivante. J'ai récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace en moi. Denis, tu nous dis, un homme menacé par une âme se sent faible et puissant à la fois. Un homme menacé par une arme. Moi, je ne suis pas sûre qu'un homme qui se sente menacé se sente vraiment dans son pouvoir. C'est juste l'autre qui pointe son pistolet qui a le pouvoir. Enfin, ou alors il a juste le pouvoir d'accepter de se laisser
d'être aux prises de Dieu, hein, et que finalement, peut-être cette puissance-là dont tu parles, que finalement sa vie ne lui appartient plus. Peut-être que c'est de ça, je sais pas, j'ai pas bien compris là. Ok. Valérie, ok. Anne, tu nous dis, je découvre que chaque situation est unique pour chaque personne. Et je ne suis pas certaine qu'un homme menacé, humilié dans un camp de concentration se soit senti puissant. Non, dans ma mémoire, ce n'était pas le cas non plus. Moi, j'ai un grand-père qui était emprisonné pendant toute la guerre 39-45. Et ça a laissé vraiment des prises d'un homme impuissant, voilà, un homme massacré, d'un homme qui subit l'abus. Et tout ça, ça s'est manifesté à travers ma mère. Hein, ma mère, voilà, ça s'est manifesté dans les mémoires de ma mère. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en souvent en épigénétique, ça saute des générations. Moi, j'ai remarqué que très souvent, j'ai plus manifesté les mémoires de mes grands-parents que de mes parents eux-mêmes. Voilà, c'est. Alors. Vulnérabilité égale intime. Oui, exactement. Ok. Gillier Anita, tu nous dis, mon père n'a connu son père qu'à l'âge de 6 ans. Il est né 2 jours après son départ à la guerre. Énorme conséquence sur mon père et nous. J'ai 3 frères et sœurs atteints de psychose. Eh oui. Et toi, Anita, est-ce que tu as choisi donc de rentrer dans cette famille pour justement libérer ces espaces psychiques? Je sais pas, j'interroge Anita, est-ce que c'est toi, tu as choisi, as-tu choisi dans cet autre espace avant de t'incarner, de choisir justement ce foyer? Pour justement nettoyer, être dans, voilà, te laisser passer par ton cœur, par un cœur de source très ouvert, toutes ces mémoires transgénérationnelles. Ok. Ah, Catherine, comment faire respirer son périnée? Ah, oh, Catherine, déjà, c'est pouvoir, quand tu respires avec ton diaphragme ici, on a un diaphragme ici. C'est de pouvoir sentir quand tu inspires profondément en mettant ta main directement donc sur ton périnée, hein, tu mettant ta main ici. Si tu mets la main sur ta vulve, tu mets ta paume en direct, en conscience, en contact avec ta vulve, eh bien, de pouvoir respirer ici, de sentir justement ce mouvement de respiration qui opère à la fois dans ta matière osseuse, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sentir que le coccyx et la symphyse pubienne respire, s'éloigne, hein, comme ceci. Et tu as les deux ischions également qui bougent, hein, de pouvoir percevoir. Alors évidemment, ce n'est pas la même mobilité que tes côtes ici, quand tu respires, qui se déforment, le gril costal qui se déforme. Quoique, avec beaucoup d'entraînement, on peut vraiment percevoir des mouvements vraiment tangibles à l'intérieur. Mais peut-être, Catherine, tout simplement, de relier ta respiration diaphragmatique avec ta respiration périnéale, que tu fasses un lien entre les deux. Quand on respire, tu vois, tu as ton diaphragme ici, et tous nos organes sont reliés les uns aux autres avec des ligaments, des liens, et en fait, tous tes viscères, tout ça, ça bouge en même temps, hein, c'est un mouvement d'expansion et de contraction. De descente du diaphragme et de remonter. Dans cette descente-là, il y a forcément des liens avec ton sexe, avec ton périnée, avec tes 3 couches de périnée. Et c'est OK. Et c'est de pouvoir déjà respirer là-dedans. Après, tu peux venir regarder ta vulve, regarder à quoi ça ressemble finalement une vulve, y mettre une conscience. Peut-être que tu peux aussi venir toucher avec des doigts, de venir introduire des doigts dans ton vagin et venir sentir quand tu respires comment c'est vivant à l'intérieur. Et de ne pas y aller avec une intention ni de masturbation, ni y aller avec une intention d'attendre quoi que ce soit, mais de pouvoir juste se laisser vivre cet espace et de pouvoir justement y conscientiser un espace plus grand, de pouvoir peut-être te dire, eh bien, tous les espaces que je ne perçois pas, que je ne ressens pas. Quand je fais ça, c'est que tu as tes doigts dans ton vagin. J'accepte ici et maintenant, en toute conscience, de pouvoir les recevoir. J'accepte de pouvoir regarder avec l'œil de l'être infini tous les espaces de moi où je ne suis pas. J'accepte de transmuter ici tous les espaces transgénérationnels de mes lignées paternelles, de mes lignées maternelles, pour accepter d'être l'être intégral que je suis.
Et c'est vraiment d'être vraiment dans cette intention. Voilà. Bah, je ne sais pas si ça t'aide ce que je te raconte. Ok. Alors, on me dit là également, je m'interroge sur les rôles des ancêtres qui ont vécu la colonisation et l'esclavage. C'est la même chose. Tout ça, ce sont des mémoires. Ce sont des mémoires qui ont juste besoin d'être passées. Hein. Le truc, c'est que très souvent, en fait, comment dire, je pense que nos chakras sont sous emprise, mais ça reste une croyance à moi. Hein, ça reste une croyance à moi. On a beaucoup de nos chakras qui ont des mémoires. C'est-à-dire que quand on vient rencontrer un chakra, quelquefois on peut percevoir des mémoires plus ou moins lointaines. Okay. Tout ça, c'est en prise avec des mémoires du passé. C'est de l'astralisation. C'est-à-dire que c'est comme si notre âme, une fois qu'on se désincarne, il y a quelque chose de nous qui nous pousse tout le temps à nous réincarner et à être dans une boucle de réincarnation non-stop, non, infinie, comme s'il y avait toujours quelque chose à revisiter, à réparer et à etc. et à etc. Et finalement, on est là pour l'éternité, comme s'il fallait toujours œuvrer dans ces lois infernales de cause à effet, d'incarnation, etc. etc. Je pense que l'ère que nous sommes en train de traverser, mais là, c'est vraiment mon point de vue, hein, c'est ce que j'éprouve moi-même. Je pense que nous avons le choix. C'est soit nous continuons à croire qu'il faut continuer à nous laisser sous emprise de l'horizontalité astrale tous nos chakras, parce qu'il n'y en a pas un qui n'ait pas été astralisé. Hein. Même notre septième chakra a été astralisé, a été manipulé donc par les religions. Donc, soit nous continuons comme ça, soit justement nous acceptons de devenir totalement conscients de qui nous sommes, du créateur ou de la créatrice, du créateur-créatrice de vie que nous sommes. Et ça demande vraiment de chuter à toutes ces emprises-là, hein, toutes ces emprises qui sont là, qu'on vit dans un magma. Imaginons, moi j'ai eu cette vision-là l'autre jour en méditation, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis rendu compte. En fait, beaucoup d'entre nous sont encore sous emprise comme dans un magma. Voyez, c'est comme si on n'avait pas accouché de la terre. C'est comme si on était encore dans une matrice enfermée et c'est comme si en fait on est encore addict à la matrice. Hein? C'est comme s'il y avait encore une addiction à cette matrice-là. Comme si en fait autour de la terre, psychiquement, il y avait vraiment tout plein de croyances, de points de vue, de jugements et on est en prise à la dualité. Il y a vraiment, je perçois vraiment ça en moi. Et que dès qu'en fait, on est tout le temps, tous les jours, on vit des tentations d'être justement en prise de cette dualité. Dès que nous avons un jugement sur une situation ou une autre, nous, on rebascule, en fait. On est totalement, continuellement aspiré par l'horizontale. Quand je dis l'horizontale, c'est vraiment cet espace autour de la Terre, les espaces psychiques dualistes. Hein? Il faut pas s'étonner qu'il y ait autant d'astral, hein? Enfin, je veux dire d'âmes qui n'arrivent pas justement à se désastraliser. Alors il y a plusieurs couches dans l'astral, hein? Il y a le bas astral, puis il y a le haut astral, mais je pense vraiment qu'on n'en est plus là. Mais ça, c'est mon point de vue. Ok, je pense vraiment qu'on a le choix de se verticaliser définitivement. Ok, et ça, c'est un choix. Moi, c'est ce que je choisis. En vous disant ça, je peux vous assurer que mon être infini se frotte les mains et se dit, ok, prochaine fois que tu commences à goûter encore à l'horizontale et au goût de l'horizontale sans être dans ta conscience, je peux t'assurer que je sens que ça rigole quand je dis ça. Je dis, mais je suis consciente, c'est ok. C'est ok parce qu'il y a une belle vie, il y a une belle vigilance amoureuse avec ça. C'est-à-dire que c'est ok. C'est ok, on a le droit. Hein, on a le droit, si vous voulez, de se laisser retenter par les jugements, mais ne soyons pas dupes. Les jugements ne nous servent, je reviens sur un live que j'ai fait il y a 3 semaines, mais ne soyons pas dupes. Les jugements ne sont juste faits là que pour justement verticaliser. Un jugement, c'est un mouvement vers l'horizontale. Quelque chose de nous qui sort, qui n'est pas là ou qui est absent, et puis d'un coup, pouf! Je verticalise, c'est-à-dire je ramène au cœur de source ce que j'avais cru dehors, en dehors de moi. Et on a le choix, c'est soit nous continuons à alimenter l'horizontal, et c'est ok, hein, y a pas de, c'est bien hein, de vivre comme ça, ça fait des millénaires que ça existe, donc c'est que ça doit être chouette.
Moi, je pense que je choisis maintenant de ramener un maximum au cœur de source. Alors peut-être qu'il me faudra plusieurs vies, j'en sais rien. J'ai pas de réponse à ça, je ne vais même pas le savoir. C'est pas ça, mais moi, tout ce que je peux rencontrer à l'intérieur, c'est que je sens à la fois comment dire, je sens un éprouvé à l'horizontale et un éprouvé à la verticale. C'est-à-dire que je ne me sens plus totalement, je me sens plus victime de l'horizontale. J'ai ce choix. J'ai ce choix aujourd'hui. Je ne suis plus victime ni de l'abus, ni de la violence. Je suis plus victime de tout ça. Je me suis positionnée dans l'être créateur que je suis. Donc, être créateur, ça veut dire être verticalisé. Ça veut dire être dans sa conscience du périnée vivant, la porte des ancêtres. Donc, en fait, ce sexe qui dit oui à la terre, hein, qui respire et qui est ouvert à la terre, ça veut dire également être dans un cœur de source ici qui accueille tout, hein, dans un espace cardiaque ouvert, et pour laisser vraiment l'être infini œuvrer à travers nous. C'est-à-dire que nous pouvons rencontrer 1, 2 et 3 quand nous sommes complètement alignés. S'il y a encore des espaces de nous qui sont addicts aux parents, aux transgénérationnels, aux mémoires du passé. Si on est encore addict à d'autres vies, alors oui, moi j'ai été violée dans d'autres vies, alors pour le coup, dans cette vie-là, c'est normal que je n'arrive pas à me contacter, c'est normal que je n'arrive pas, voilà. Voyez, ouais, tous les c'est normal, tous les machins, tous les. Ça, c'est que de l'ego et de l'orgueil spirituel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on renonce à la verticalité, on est dans le renoncement à soi. C'est un choix, c'est-à-dire que on est tout le temps tenté, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis tentée tout le temps, et c'est ok, je suis tentée. Quelquefois, je bascule, c'est ok, j'accueille, je retourne au cœur de source. C'est pas comme si, comme certains qui finalement, quand ils tombent, ils chutent et ils restent tombés, ils restent coincés là. Ils ont l'impression qu'ils vont devoir rester coincés là-dedans toute leur vie. Il y a un moment donné, c'est un accouchement, hein. On accouche bien de la matrice de notre mère. Ok, mais l'accouchement justement à l'astralisation de la mère terrestre, c'est aussi ça, c'est rencontrer une autre conscience, quoi. Je sais pas ce que ça vous fait tout ce que je vous raconte, mais pour moi, ça a beaucoup de sens, tout ça. Ok. Oui, sûrement, je viens de libérer ce week-end ces mémoires d'abus par deux expériences, veille de la pleine lune. Merci de ton témoignage sur ton grand-père qui me permet de prendre encore plus. Ok, alors attends que je puisse lire la suite. Conscience de tout ça. Mais oui, c'est-à-dire que tous les jours, comme on a ce pouvoir d'être en conscience et de pouvoir verticaliser, dès qu'on a une mémoire qui remonte, l'idée c'est de ne pas se cacher derrière cette mémoire, c'est de la transmuter. Alors c'est facile, hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les mémoires de nos parents nous servent justement à ce qu'on les dépasse et qu'on reste plus coincé dedans. Donc, le fait d'en prendre conscience, c'est la première étape, c'est-à-dire que déjà, ça n'agit plus inconsciemment, donc on n'est plus abusé par ça. Après, c'est de pouvoir libérer, c'est-à-dire le cœur de source permet vraiment de libérer l'espace émotionnel qui ne nous appartient pas. Ok, mais ne soyons pas dupes, si nous pleurons, ce n'est pas nous, ce sont nos aïeux qui retournent au cœur de source à travers nous. Ok, et tout ce que ça fait remonter là, ok, tous les grands-pères mutilés pendant les guerres, ok, tous les espaces psychiques dans lesquels nous avons cru devoir enfermer par fidélité à nos grands-pères qui ont vécu les trois guerres. Moi, j'ai un père aussi qui a vécu la guerre d'Algérie, donc qui a vécu l'exil. Ok. Donc tous les exilés, tous les déportés, tous les emprisonnés, tous les morts violents. Moi j'ai vu également dans des mémoires des morts qu'on n'a jamais retrouvés. Ok. Tout ça. Est-ce que nous sommes toutes et tous prêts, ici et maintenant, à nous autoriser en âme et conscience et dans notre ADN, s'il vous plaît, à faire vibrer notre ADN ici et maintenant, avec le cœur de source? Et tout ce qui nous en a empêchés jusqu'ici, à laisser tout simplement le cœur de source alchimique de transformation, à œuvrer à travers nous et à emmener ici toutes ces mémoires, à désastraliser ici ces gènes en nous. Ces gènes en nous, ces gènes en nous, ça veut dire ces gènes, la transgénérationnelle, c'est-à-dire les gènes épigénétiques, et ces gènes, c'est ce qui nous empêche encore d'être nous. Ok.
Et de tout simplement permettre à tout ça de changer de fréquence, pouf, et de retourner au cœur de source. Ok. C'est ça, être se placer dans un espace du cœur de source, sans point de vue, sans jugement. Et de ne pas se cacher derrière les mémoires, ou de ne pas utiliser son corps. Moi, je vois, j'utilise mon corps dans ma hanche droite pour matérialiser en fait quelque chose. C'est ok. Je sais pas quoi encore. Mais je ne suis pas dupe. Je sais que l'arthrose que j'ai dans la hanche droite, c'est une mémoire du passé. Voilà, c'est une mémoire du passé. C'est OK. Ça ne m'appartient pas, mais ça passe par mon éprouvé, ça se manifeste par ma matière osseuse qui s'est usée. Voilà, qui s'est usée. J'ai une hanche d'une grand-mère de 80 ans. Voilà, je mets de l'humour parce que, voilà, mais c'est de ramener tout ça au cœur de source, c'est ok. Alors peut-être que j'aurai besoin de me faire opérer, que ce sera une manifestation de mon être infini avec une opération. Donc je laisse opérer cette conscience-là en soi. Voilà. Et je pense que beaucoup de nos maux, entre guillemets, beaucoup de cancers, beaucoup de maladies, en fait, se servent de notre corps pour manifester des mémoires du passé qui n'ont pas pu être reçues ou vues. Ok, et la maladie, nous avons le choix de regarder ces manifestations comme des manifestations d'amour ou des manifestations, quand je dis d'amour, c'est de conscience, hein, parce que voilà, c'est une manifestation de conscience, ou d'y voir encore de la séparation. Je me sens pas séparée de ma hanche. Voilà, et c'est-à-dire de pouvoir accueillir ce qui est dit là, ce qui est vécu là, comme un choix de conscientisation de qui je suis et tous les espaces auxquels je suis en train de dire non, en fait, je veux plus de ça. En fait, ça c'est ça, c'est quand la maladie souvent nous permet, entre guillemets, de lâcher des choses, des points de vue, des jugements, des considérations, des enfermements qui ne nous appartiennent pas. Ça reste mon point de vue, hein. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais moi, c'est ce qui me permet en fait de transcender ce que je vis au jour le jour. Parce que d'être dans la posture de la victime, je la connais par cœur, la posture de la victime, mais ça m'a pas forcément apporté du bonheur. Voilà. Ça m'a pas donné, la victime ne m'a pas donné de la puissance. Par contre, de voir finalement que j'ai choisi justement ce terreau merdique comme justement un terrain alchimique de transformation, là je sens ma puissance, c'est-à-dire que je peux contacter ma puissance là. S'il n'y a rien à faire, s'il n'y a rien à œuvrer, s'il n'y a rien à transformer, comment je peux rencontrer ma puissance de qui je suis? Comment je peux me verticaliser? Voilà, comment une plante fait pour pousser si elle n'a pas un terreau, si on ne prend pas racine dans de la merde? Ok, d'accord, il y a la racine. Ok, on va. Au début, là, ce qui se passe, c'est que la conscience, elle est identifiée à la gang de la. Hein, on est dans la gang. Moi, très longtemps, j'ai cru que j'étais la gang là qui est en contact avec l'espace qui pue. La merde. C'est ok. Mais on en a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce terreau fertile, hein, de que ça se fertilise. Ok, puis il y a des racines, donc je prends ma place avec hein, l'image qui me vient, c'est vraiment cette graine, en fait, la conscience est comme une graine qui rencontre la terre. Alors, quand on regarde la terre, la conscience ne fait juste que reproduire ce qui existe dehors dans la nature. Donc, à un moment donné, c'est que notre conscience, au début, on est identifié à la gang. Ok, on croit être la coquille, la gang qui protège le cœur de source. Ok, à un moment donné, bah, on a des racines, on a d'abord une racine verticale, donc on commence par s'ancrer dans la terre. Alors comment vous dire qu'avec une vulve ou alors avec un pénis qui n'est pas là, c'est un peu compliqué, hein? Et après, on va prendre place effectivement dans des racines horizontales pour avoir de la stabilité. Donc ça va être notre place dans l'humanité, mais également de la place dans notre famille transgénérationnelle, dans notre arbre. Hein, les racines, ça fait un arbre en dessous. Quand vous voyez un arbre manifesté, ben, en dessous, il y a le même arbre, aussi grand. Plus je vais œuvrer dans mon arbre transgénérationnel et que je vais m'ancrer dans ma place sur Terre, plus en fait je me verticalise. Hein, la tige ne peut vraiment s'exprimer quand les racines, voilà, elles se sont déployées. Combien d'entre nous, enfin moi j'en fais partie, hein, j'ai commencé à vouloir me verticaliser alors que j'avais la moitié de mes racines.
Ok, ça fait des décompensations. Ok, ça fait des choses pas très confortables, on dira. Donc l'invitation, c'est de commencer par la base, c'est-à-dire la base. La base, on en parle toujours, mais c'est remettre une conscience vivante dans notre périnée, dans notre bassin, dans notre sécurité. Les racines, c'est ce qui va nous sécuriser, qui fait que quand il va y avoir un vent violent, eh bien mon arbre du jardin, lui, eh bien, il va pouvoir sentir le vent, la bourrasque, la tempête, mais il ne va pas se déraciner. C'est comme ça. On n'est pas construit d'une façon différente du monde végétal, hein. Ça, c'est aussi notre petit orgueil humain qui voudrait voilà, nous faire croire je ne sais pas trop quoi. Moi, j'ai eu un orgueil spirituel très fort à un moment donné. Enfin, il est certainement toujours là, mais enfin, j'essaie d'être quand même à l'affût. Un peu plus qu'avant. Et voilà, moi, j'œuvre vraiment dans cet espace où, en fait, on croit toujours être dans la graine qui est addict à la merde. Et se dire que c'est une étape, effectivement, mais que la merde devient forcément un terreau fertile dans lequel nous prenons appui, nous prenons notre puissance alchimique de transformation. On n'est pas différencié de ça. Et ça part pour nous, les femmes, de vraiment reprendre contact dans notre puissance, dans notre chaudron magique, dans notre bassin. Et pour les hommes, pareil, parce que je pense que les hommes ont autant besoin d'œuvrer dans leur bassin que nous-mêmes, hein. Dans les anus, il y a beaucoup de points de vue limitants dans les anus, hein, quand on sait que c'est là où, hein, juste derrière entre l'anus et le coccyx, vous avez quand même le premier chakra, hein, de pouvoir rencontrer justement par un toucher rectal ce coccyx et pouvoir peut-être réaligner cet espace-là. L'anus pour les hommes, c'est très sujet à beaucoup de tabous. On pense que c'est lié à l'homosexualité, mais c'est un centre énergétique très puissant. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me racontez d'autre? Merci, très intéressant, mais si on ne s'aime pas, comment fait-on? J'ai beaucoup de mal à me regarder, merci. Ok, est-ce que tu crois franchement, Emma, que quand tu fais... tu regardes où déjà? C'est regarder où? Quand on ne s'aime pas, où? En fait, c'est ça. Tout ça, Emma, je vais te dire quelque chose qui risque de ne pas être très confortable. Mais là, ce que tu me dis, c'est de l'orgueil. Voilà. C'est-à-dire que tu renies, tu te renies. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Et c'est OK. Pour moi, je n'ai pas de point de vue à avoir là-dessus. C'est-à-dire que je comprends cet espace-là. J'y suis passée. Mais tu as le choix aujourd'hui. Soit tu continues à être dans cette addiction finalement d'orgueil où c'est beaucoup plus facile finalement de renoncer à toi plutôt que de livrer ton parfum. Je pense que renoncer à soi, c'est vraiment la plus grande manifestation d'orgueil qui puisse exister. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu éprouver depuis cette dernière année. Chaque fois où je dis non, je suis moche ou je renie ou je ne m'aime pas ou je dis que je m'aime pas, en fait, c'est juste de l'orgueil, c'est de l'ego. C'est de l'ego qui ne m'appartient pas forcément, mais c'est un espace de moi qui veut encore me maintenir dans un espace astralisé, dans une gangue qui veut encore me maintenir à la couche voyez, de la couche de la pellicule. J'ai pas de graines ni de glands là devant moi pour vous montrer, mais ouais, c'est comme si il y a un espace de moi qui veut pas que je conscientise que je suis l'arbre. C'est pas toi qui penses que tu ne t'aimes pas, c'est ton ego. Donc quand tu dis ça, c'est tu lui donnes la puissance et la force, donc tu es encore sous son emprise. Et quand tu dis que tu as du mal à te regarder, est-ce que tu penses que franchement, quand tu regardes une fleur, est-ce que la fleur, elle a du mal à te regarder? C'est quoi la différence entre ton regard le regard, par exemple, d'un chien? Souvent, il y a des gens, ils vont être amoureux des chiens ou des animaux et ils arrivent plus à se laisser regarder par le regard d'un animal que d'un être humain ou de leur propre regard. Ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Mais à un moment donné, est-ce que l'invitation, c'est de ne pas accepter de nous regarder avec tous les regards possibles? Ok. Moi, j'en suis là, je ne dis pas que j'ai raison, j'y ai prouvé. Si pour toi, Emma, c'est encore ok de te renier, moi, ça ne transformera pas ma vie, si tu as encore envie de te renier. Par contre, ce qui peut transformer ma vie à moi, c'est de pouvoir sentir ton parfum. Peut-être que tu as des choses à pouvoir me livrer, une conscience
une alchimie intérieure qui peut contribuer non seulement pour moi, mais pour tous les gens qui t'entourent. Donc quel est l'intérêt encore de garder ton parfum sous cloche? Ok. Bon, bah, il se dit pas mal de choses quand même. Est-ce que c'est ok pour nous tous? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est géant ce que tu dis sur la graine qui pousse dans le terreau qui pue. Bah ouais, parce que je connais bien cette odeur, je connais bien cet espace, Catherine. Et l'illusion, c'est de croire qu'on doit y rester bloqué. Voilà, c'est, on n'est pas obligé de rester là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il y a cet envol là. Il y a ce, tu sais, le moment le plus subtil, c'est au moment finalement où tu sais, tu as la petite germe là qui pousse, qui est en train de percer la croûte terrestre. Parce qu'il y a ce moment-là aussi, tu sais, tu déploies un effort de courage, un courage énorme. Tu as déployé tes racines et puis là, tu vas, il y a quelque chose qui va être à l'air libre où tu vas plus voir le noir là. Tu vois, tu vas plus voir le noir et tu vas juste voir l'air libre. T'imagines la conscience que là. Tu vois, les petites cellules de la tige, elle a à ce moment-là quand elle sort à l'air libre. Tu sais, ce moment où tu sors de la croûte terrestre. Waouh! C'est. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est à vivre. Ok. C'est ok, très intéressant vos points de vue. Je n'y parle pas pour l'instant, en tout cas. Je ne me pose pas vraiment ce style de question. Ouais, ok, Denis, c'est ok. Comme je dis, hein, c'est que des points de vue. Je ne détiens absolument aucune vérité. Je ne prétends pas détenir de vérité. J'œuvre à partir d'une. Quand je parle à travers de mon expérience à moi, mais aussi celle que j'accompagne tous les jours. Donc, évidemment, il y a autant d'expériences du vivant qu'il existe d'individus. Donc, faites, choisissez ce que vous avez à choisir. Moi, j'ai. Vraiment, c'est ok pour moi, hein, vraiment. Je choisis mes chats par rapport à leur personnalité. Waouh! Et si justement, Magali, tu t'autorisais à œuvrer de la même façon avec les êtres humains et à te laisser voir justement la même beauté chez l'être humain que nous sommes capables de le voir chez les animaux. Pour moi, il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est juste dans nos points de vue. Ok. Ok. Oui, Catherine, tu me dis, je fais le choix d'en sortir. Et mon live va t'aider. Mais écoute, tu te choisis aujourd'hui peut-être à travers ce que je suis en train de dire, mais tout ce que je dis là, peut-être que tout simplement tu le sais depuis longtemps. Mais tu t'autorises peut-être tout simplement aujourd'hui à te souvenir de ce que tu sais depuis longtemps. Merci de me choisir en tout cas, Catherine. Merci infiniment. Ok, je vous fais un gros bisou. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages. Et oui, ce terrain d'où nous venons, faut-il s'en éloigner pour se choisir ou y a-t-il une autre voie possible? Mais nous sommes le terrain. Nous sommes tout. Nous sommes. Quand, écoute, l'invitation, c'est quoi? Tu vas séparer un arbre. Quand je vois un arbre dans mon jardin, tu vois, j'ai un arbre qui est bicentenaire dans mon jardin. Ok. Cet arbre qui est bicentenaire, est-ce que tu crois qu'il est conscient plus de ses racines que de son tronc ou de ses aiguilles? C'est un pin parasol, franchement. Mais on est conscient partout. Il n'y a pas de séparation dans la conscience. Donc, il est conscient également de la terre puisqu'il y prend son substrat. Les racines prennent naissance dans le substrat alchimique de la terre. Il n'y a pas de séparation entre la terre et puis l'être vivant manifesté qu'est l'arbre. Mais nous, c'est pareil. Il y a pas de s'en éloigner. Comment dire? Le seul moment où je me suis éloignée du terreau, enfin de la merde, c'était justement pour récupérer moi ma puissance, c'est-à-dire être dans mon nom. Je comprends peut-être un peu plus le sens de faut-il s'en éloigner? Alors, c'est pas s'en éloigner, mais ça veut dire prendre sortir de la croyance que l'on est la merde. Ok, c'est-à-dire s'éloigner de ce que l'on croit être, c'est-à-dire que très souvent on se croit pour la merde, on se croit être la merde. Ok,
Et moi, à un moment donné, pour pouvoir naître à autre chose, ben, je me suis séparée de la merde que je croyais être mes parents. Donc j'ai pris distance. Et beaucoup de gens vont mettre des distances kilométriques très très loin avec leurs parents, mais finalement, l'alchimie de transformation, quant au point de vue, au jugement vis-à-vis des parents, ça n'est pas fait. Hein. Quelquefois, on met des distances kilométriques très loin de nos parents, puis c'est pour nous deux, c'est une illusion, hein, tant que ça n'a pas été opéré à l'intérieur de soi. Okay. Mais pour moi, les seuls espaces où j'ai cru, si vous voulez, m'éloigner, ça a été vraiment de m'éloigner de la croyance que j'étais la mère de mes parents. Je croyais que j'étais la mère de mes parents. Donc en fait, j'ai coupé les ponts, j'ai coupé pour pouvoir sentir ma propre essence, sentir ma puissance vitale intérieure et ne plus vivre à travers la puissance vitale de mes parents. Je ne sais pas si ça vous parle tout ce que je dis là, mais voilà, souvent on est dans l'illusion que l'on peut vivre en faisant plaisir à papa, maman et machin. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et à un moment donné, c'est renoncer à ça, renoncer à faire plaisir, renoncer à être ce moule transgénérationnel. C'est renoncer à ce moule-là, c'est renoncer à ça. Pour moi, c'est le seul éloignement, mais finalement, c'est pour gagner qui nous sommes. C'est pour gagner, oui, je choisis de pousser selon mon propre modèle à moi. Alors évidemment qu'il va y avoir des choses qui vont nous, voilà, des mémoires du passé qui vont nous œuvrer, mais on n'est pas dupes. À partir du moment où on sait que voilà, ça fait partie du passé et qu'on est là pour se verticaliser, on n'est pas dupes. Je ne sais pas si Lydie, j'éclaire ta lanterne dans ce que je viens de te raconter là. Alors, j'ai encore un long chemin, mais je savoure déjà ce début de renaissance. Ok. C'est pareil. Anita, est-ce que pour toi, c'est possible que justement tu te saisisses de l'espace qui n'a pas de chemin? Que c'est juste une croyance, tout de suite et maintenant, que tu es prête à lâcher? Enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment perçu dans le cursus pour thérapeute que j'ai suivi avec Grégory Mutombo, parce que moi aussi j'étais très attachée à mon cheminement. Alors j'avais cheminé, machin. Alors pendant très longtemps, on a l'impression qu'il faut cheminer hein, pour conscientiser. La conscience, c'est autre chose que cheminer, en fait. C'est vraiment un choix de l'instant, tout de suite et maintenant, de juste te choisir que tu es créatrice de ta vie, tout de suite maintenant. Que tout ce que tu vis, là, c'est ta pure création. Est-ce qu'il y a vraiment un chemin pour conscientiser ça? Pour moi, c'est juste un switch, un plan. Tu vois, le chemin, ça va être juste, peut-être s'il y en a un, ça va être de te laisser accueillir au cœur de source, parce que cheminer, ça voudrait dire qu'il faut encore marcher. Pour moi, c'est vraiment, tu te verticalises et tu attires à toi, finalement, tous les espaces et consciences que tu as et les voiles que tu as besoin de lever pour être encore plus dans ta verticalité. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas à marcher. Marcher, ça voudrait être encore être addict à l'ego qui va conquérir des espaces à l'autre bout de la terre ou des croyances à l'autre bout de la terre. C'est vraiment. C'est un autre paradigme, mais moi, c'est vraiment là où je me sens vraiment investie. C'est changer. Il n'y a pas de chemin. Le chemin, c'est pas un horizontal. C'est juste quand tu es dans ton. Quand tu choisis. Quand tu fais vraiment ce vœu-là de te choisir, la vie t'amène vraiment, l'univers, ton être infini t'amène exactement ce que tu as à vivre, ce que tu as conscientisé au moment où ça doit. Il n'y a pas de chemin avec ça. C'est juste accueillir au cœur de source. C'est ça la puissance. Pour moi, ok. Maintenant, si c'est ok de toujours courir, c'est ok aussi, hein. Ce sont juste des choix. Je redescends et puis je vais m'arrêter là. Oui, moment présent. Tout ça se fait dans le moment présent. C'est dès qu'en fait qu'on sort du moment présent, on est en prise avec l'astralisation de la dualité et du bien et du mal. Dès qu'on sort de cet espace du présent, c'est-à-dire ne jamais rien préméditer ou ne pas créer quelque chose par rapport aux empreintes du passé. C'est-à-dire plus finalement je suis présente, moins je suis en prise avec mon passé et donc en prise avec mon futur, plus je fais des choix conscients, conscients, alignés, en étant dans ma propre puissance.
C'est un peu et pour cela que mon corps physique me bloque à la marche. C'est un point de vue. Ouais, pourquoi pas. Oui, choisir certains jours, c'est plus simple que d'autres. Ne pas être dans le vouloir, ça m'aide. Tout conspire pour moi, je remarque. Exactement. Voilà, lâchons-nous la grappe un petit peu, choisissons. Ok, je vous remercie infiniment pour votre présence. Et puis, laissons œuvrer. Ne soyons pas dupes. Récupérons ces petits espaces de nous, de notre petit ego, hein, qui a un âge mental de 7 ans. Donc, ne le condamnons pas. Accueillons-le juste. Soyons pas dupes. Hein. S'il a encore envie de courir, ben, c'est ok. Mais de temps en temps, il peut venir se recueillir au cœur de source avec un papa et une maman, hein, qui prennent soin de lui et qui l'accueille. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt. Bonne fin de journée.